Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 23 janvier, il est à peu près midi et j'espère que vous allez bien. Normalement je vous poste ce vlog là ce soir, si j'arrive à bien tout gérer, croisons les doigts. Parce qu'en fait j'avais déjà commencé à filmer un vlog, sauf que j'avais un pull ras-de-cou comme ça, enfin assez haut comme celui-ci. J'avais un collier et du coup en fait à chaque fois que je parlais ça tapait dedans, c'était insupportable. Donc c'est pas grave, on recommence. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les débuts de vlog comme ça, vu que en vrai tous les matins c'est le bazar et tous les matins je range comme ça. Donc si vous voulez voir ça plus souvent, dites-le moi. Moi aujourd'hui ce sera journée création de contenu, enfin surtout cet après-midi parce que là j'étais beaucoup devant l'ordinateur, puis je me suis occupée de la maison et là-bas les sacs que vous voyez c'est ce que j'ai à filmer. Donc voilà. Ah aussi à midi et demi je dois aller chercher les courses parce que j'ai fait un drive. Il est actuellement midi 20, ça passe. Il faudra aussi que j'aille chercher des places parce qu'on a pris des places de concert pour les filles à leur Noël. Enfin le papa Noël leur a offert des places de concert. Donc faudra que je pense aller les prendre. Vu ma petite tête, il faudra que je le note quelque part. En tout cas là j'avais déjà fait un unboxing Farfetch que je vous avais filmé mais c'était dans la même journée de ce collier, du coup tout s'est effacé, donc je vais vous remontrer ça. Ce sera pas un unboxing, mais je suis beaucoup trop contente de ce que j'ai pris, donc je vous montre ça. C'est pas une collaboration rémunérée, mais j'ai un code promo pour vous. J'ai pris deux pépites. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Farfetch, c'est un site internet en fait où vous pouvez retrouver plus de 3000 marques. Il y a vraiment de tout, que ce soit côté mode, côté maroquinerie, chaussures, ils ont même une catégorie beauté. Vous pouvez retrouver toutes les marques que vous aimez. Ils m'ont donné un code qui est LisaNGO qui vous donne moins 10% sur votre première commande. Après, si vous avez déjà un compte, vous pouvez très bien prendre une autre adresse mail, créer un nouveau compte et utiliser ce code, ça vous aurez moins 10%. Ça fait toujours plaisir. Je vous montre le premier article que j'ai pris. Il est trop beau. Donc celui-ci c'est un sac by far, c'est le modèle Miranda et je le trouve vraiment trop joli. Il est en cuir verni avec des petits détails dorés. En fait j'aime beaucoup la forme, je trouve qu'il fait très distingué en fait. Et pour ceux qui regardaient la série Sex and the City, je trouve que le nom de Miranda ça va parfaitement, c'est dans ma tête. Je le trouve vraiment trop beau. Donc on a une petite anse comme ça, donc c'est à porter à l'épaule. Ici on a une petite ouverture aimantée et à l'intérieur on a une grande poche ainsi qu'une petite pochette juste ici, vous savez, pour tout ce qui est cartes, etc. Je trouve que cette taille de sac à main pour le quotidien c'est parfait, c'est ni trop grand ni trop petit. Je sais pas si vous voyez le détail, mais ici on a une petite anse en cuir qui est rajoutée avec une surpiqûre noire et en fait ça va jusqu'à l'arrière comme ça avec des jolis détails aussi. Je le trouve trop joli, trop fan. Et je connaissais de nom la marque By Far, je sais pas si vous avez des articles de cette marque, mais c'est la première fois que j'ai quelque chose de chez eux et en tout cas la qualité elle est vraiment impeccable. Celui-ci il est semi-rigide, je vais essayer de mieux vous le montrer comme ça, mais franchement il est trop beau. On a un sac à main qui passe partout et je sais pas si vous voyez les petits détails ici, mais on a des petites ouvertures comme ça dans le haut du sac à main qui remontent légèrement. Et le deuxième article que j'ai pris, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, vraiment, il est trop beau. J'ai pris ce sac de la marque Céline et en fait celui-ci c'est un sac de seconde main parce qu'ils ont une catégorie pre-owned, je sais pas si je le dis bien, mais chez Farfetch. Du coup en fait c'est de la seconde main. Celui-ci c'est le modèle Boston avec un motif macadam, la couleur du marron et tout, je le trouve vraiment trop joli. À l'avant comme ça on a le motif de Céline sur le petit écusson comme ça. Et en tout cas sur la catégorie seconde main il y a vraiment énormément d'articles que vous pouvez retrouver. Dans ces catégories là à chaque fois je recherche plus les sacs à main parce que c'est ce qui m'attire le plus en mode un peu vintage et l'état est juste impeccable. Il y a quelques défauts qui sont notés et on a les photos sur le site internet, il y a vraiment zéro surprise, tout est totalement contrôlé. Par exemple ici je sais pas si vous le voyez, il y a quelques marques au niveau des anses. Dans le bas il y a zéro défaut et à l'intérieur il est parfait. Je suis beaucoup trop contente, il est trop joli. Je vous laisse admirer les détails. Il est trop beau avec la petite poche à l'avant comme ça. En dessous, comme vous l'avez vu, il y a des petits pieds cloutés. Et à l'intérieur, on a une grande pochette zippée. Je l'aime trop. Mais j'avoue que maintenant, ça me donne envie de l'avoir en toutes les tailles. Genre le plus grand, le gros sac de voyage et tout. Du coup, merci à Farfetch de m'avoir laissé faire une sélection et de vous avoir donné ce code promo que je vous remets juste ici. D'ailleurs, ce code-là, il est valable que 35 jours. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez vous faire un petit cadeau, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi fait une wishlist. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, je vous mettrai tous mes articles favoris. Ce que je rêverais de me prendre très prochainement, en espérant que ça vous aide un petit peu. Ça fait plusieurs fois que je commande chez Farfetch. D'ailleurs, j'avais fait un unboxing de mon sac Jacquemus, mon premier sac Jacquemus. Je l'avais fait en vidéo et je l'avais commandé chez Farfetch aussi. J'ai déjà commandé aussi des produits de beauté, donc Charlotte Tilbury, etc. C'est présent sur le site. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Bon, après un bon ménage, là, je vais aller chercher les courses et cet après-midi, je continue de filmer. Voilà.
voilà 250 euros de courses. Bon, là j'ai essayé de faire mes courses un peu différemment. Je suis essoufflée, j'ai chaud. Parce que j'ai essayé de prendre un max pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc il y a plein de trucs que je vais congeler, etc. pour garder longtemps. Et j'ai enregistré quelques recettes pour faire du batch cooking. Donc ça paraît, je vais pas le faire aujourd'hui, j'aurai pas le temps, mais je le ferai dans la semaine, je pense. Comme ça, ça me fera gagner du temps le soir, parce que ce sera une grosse semaine et les prochaines semaines seront bien chargées aussi. Donc il faut que je gagne du temps dès que je le peux. En tout cas, c'est parti pour un petit retour de course. D'abord, je sors tout, parce que sinon ça va être le bordel. Non, je vous montre petit à petit comme d'habitude. Je crois que Leclerc range un peu par sac, par catégorie. Côté légumes, j'ai pris des poireaux. D'ailleurs, j'ai une question. On est d'accord que les poireaux, ça se cuisine, mais on prend que cette partie-là, la partie claire, genre pas les feuilles. Parce qu'à chaque fois que je les jette, mais je suis pas sûre, ça, je trouve que ça fait beaucoup de gâchis, mais j'ai pas l'impression que ça se mange. Donc dites-moi. Ensuite, j'ai pris un brocoli, des champignons, des bananes. Ça, j'ai pris deux fois 5 bananes parce qu'on en mange beaucoup. Et puis quand elles sont bien mûres, j'adore faire des bananes à bread. Un concombre, des framboises, encore des champignons, des courgettes, des kiwis. J'aime trop manger ça le matin. Ah, j'ai oublié de prendre du skyr. Je voulais prendre du skyr parce que j'ai vu une recette de pancake léger et je voulais essayer mais j'ai oublié d'en prendre. Donc si on y retourne, j'en prendrai. En tout cas, j'ai pris des poires et un premier sac de vide. Bon là, j'ai pris un lot de spaghettis parce que c'est en promo. Du sirop de menthe zéro sucre comme ça parce que c'est pas bien du tout, mais je suis accro au Red Bull, enfin accro. Maintenant beaucoup moins, mais à chaque course j'en prenais et des fois j'en prenais un par jour. Des fois si je faisais des petites courses j'en rachetais, etc. C'est parce qu'en fait j'en ai marre des fois de boire que de l'eau. Du coup là je me suis pris un sirop, comme ça si jamais j'ai envie de boire un truc sucré je prendrai ça. Parce que moi le sucre, je pense qu'il faudra que j'aille voir un spécialiste parce que j'ai tout le temps envie de sucre. Ensuite j'ai pris des surgelés pour moi le midi. Je m'en fiche au moins, enfin je sais que c'est pas très sain, mais pour moi je me dis c'est moins grave que pour les filles et j'ai pas le temps de cuisiner le midi. Donc là j'ai pris un risotto poulet champignons, on verra si c'est bon. Ensuite j'ai pris des épinards à la crème. Je me demande sérieusement combien de temps ça va me durer tout ça. Ensuite, j'ai repris des œufs, des crevettes, de la farce à légumes. Là, j'ai pris des steaks hachés parce que j'ai pris du pain en burger. Si on a envie de manger un petit truc comme ça un soir, au moins je craquerai pas et j'irai pas au McDo parce que j'y suis déjà allée hier. Après, j'ai pris du poulet. Ça, c'est ce que je cuisine le plus. On n'est pas vraiment fan de viande. Genre là, des steaks hachés, c'est vraiment exceptionnel. On en mange très rarement. Enfin, on est plus une viande blanche que viande rouge, et poulet, on en mange à foison. Là, j'ai pris comme ça et en cuisse de poulet. J'ai pris deux paquets comme ça parce que ça, je me dis dans un genre de couscous avec des légumes à couscous, ça passe, au four c'est bien, avec du curry, enfin bref. Ensuite j'ai pris les yaourts préférés de Lou, vous savez, avec les petits smarties sur les côtés, du fromage, du beurre et de la crème, des pains au chocolat pour Romain, j'ai tellement faim, là l'odeur elle me donne trop envie, des betteraves, du saumon qui est d'ailleurs de plus en plus cher et de plus en plus fin, des filets de cabillaud façon fish and chips comme ça, ça encore une fois c'est pour moi le midi quand j'ai envie de manger rapidement, j'ai pris des concombres au fromage blanc, du blanc de poulet, bien évidemment des gnocchi. C'est vachement long là, non? C'est pas très intéressant. Bon, je viens de finir un appel, je vous montre vite fait le reste parce que là du coup il y a du frais, etc. Il faut que je me dépêche de ranger quand même. Bon là j'ai tout ce qui est conserve, etc. Donc haricots verts, haricots beurre. J'ai pris des soupes aussi pour changer. Je sais que Jade elle aime beaucoup tout ce qui est soupe, donc voilà. D'ailleurs il me semble que les soupes ça prend pas très longtemps à faire, donc je pense que je regarderai des recettes. J'ai pris du pain de mie, des céréales. Et d'ailleurs si vous connaissez des comptes TikTok ou Insta ou YouTube qui font des recettes, mais vous savez des vidéos courtes, pas forcément à suivre en même temps qu'on le fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça je regarderai et ça me donnera des idées. Ensuite du coup j'ai pris des pains à hamburger, du chocolat au caramel pour les gâteaux et tout, et des spéculoos pour faire tiramisu spéculoos, mon dessert favori. Et pour finir les deux derniers sacs, du jus de clémentine, la luminosité est très bizarre par ici, un kit comme ça de crusty faritas, j'aime trop, Old El Paso, mais que les crusty j'aime bien. Et pour finir j'ai pris une ratatouille, mais je pensais que c'était une grosse boîte, et du risotto. Voilà pour les grosses courses, j'espère vraiment que ça va durer un maximum de temps, que je vais savoir bien m'organiser au niveau de la nourriture et tout, parce que là, on a de quoi faire. Bon, maintenant je vais ranger tout ça. Après, je vais préparer à manger. Je vais pas vous montrer parce que je vais faire un truc vite fait. Sûrement le truc surgelé là. Et je vous retrouve après. Bon, je viens de manger rapidement, là il est 14h10. Cool, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage du vlog. Je dois aussi filmer des stories, etc. Donc je vous retrouve après. Je sais pas encore quand, mais je vous retrouve après. Bon, les filles sont rentrées de l'école. Loulou, elle est en train de jouer un petit peu dans sa chambre avec sa maison de poupée. Et Jade est en train de faire ses devoirs en bas. Ça, c'est ton cadeau de Noël, Loulou? Oui. T'as reçu quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est, ça? Un dressing. C'est les dressings de Barbie? Oh. T'as de la chance, hein? C'est un... Et moi sinon j'ai reçu deux petits colis Amazon, du coup je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous.
j'ai commandé ça hier parce que j'en avais besoin. Ici, je me suis pris un agenda format A5 pour vraiment bien m'organiser. De ce que j'ai vu sur Amazon, il avait l'air bien pratique. Donc là, on a des grandes pages avec un grand format. Donc c'est ce que je voulais pour pouvoir mieux m'organiser et mieux voir. Là, on a une vue annuelle, une vue mensuelle. Après, il me semble qu'on a des vues hebdomadaires. Donc voilà, comme ça, je pourrais bien m'organiser. Donc voilà pour la première chose. Et la deuxième, pareil, c'était un truc dont j'avais vraiment besoin. J'ai pris un trépied spécialement pour mon téléphone. Parce que je vous l'avais dit, j'aimerais bien pouvoir filmer des fois à la fois le vlog, à la fois le vlog et à la fois des fois des TikTok et tout. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est un petit trépied comme ça qui existe aussi en noir. Et en fait, je voulais pouvoir poser mon téléphone, par exemple, dans la salle de bain quand j'ai envie de vous faire des make-up, ma skincare routine et tout. Et en fait, là, normalement, il s'ouvre à une main, c'est compliqué. Bon, vous savez quoi, je vais regarder ça après, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et avec, on a aussi deux petites lumières comme ça à pouvoir clipser... À pouvoir clipser comme ça sur les côtés. Comme ça, ça peut directement illuminer comme un effet ring light et il y a plusieurs modes de lumière. Par contre, je suis censée avoir une télécommande avec ce truc, mais il n'y en a pas. Ah si, elle est là, elle se déclipse. Ouais, si, ça c'est la télécommande qu'on peut enlever directement. Bon, du coup, regardez, je l'ai mis. En fait, j'ai réussi à ouvrir les petits pieds comme ça. Hop, il fait à la fois trépied et à la fois perche. La perche, elle est quand même grande pour un petit trépied comme ça. Elle peut aller encore plus haut, mais là, j'ai pas réussi vu que j'ai qu'une main. Et là, comme je vous l'ai dit, on a les lumières. Elles sont pas encore chargées, donc je sais pas la puissance pour l'instant. Et ici, on a une petite télécommande que je peux enlever. Par exemple, si vous allez faire des photos, etc., vous activez l'appareil photo ou la caméra juste ici. Pas besoin de vous déplacer ou de mettre le retardateur. Et ça, ça va être très pratique. Bon, voilà, je testerai ça après. Mais en tout cas, je vais vous laisser ici puisque, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien vous poster le vlog ce soir. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait mon organisation pour toutes les semaines à venir pour essayer de vous poster des vidéos 3 fois par semaine. Je vais essayer. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Comme ça, vous serez au courant. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Passez une belle soirée, une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog.